Bonjour à vous, chers abonnés. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter ce yacht ici présent derrière moi que j'ai réalisé avec l'aide de Anzazit. Donc c'est mon premier et j'en suis ma foi fort fier parce que voilà, pour un premier ça rend bien, surtout de loin. J'ai le pack de Anzazit parce que le mien ça rend mal et puis forcément c'est Anzazit qui est spécialisé dans les yachts. Je me suis permis de prendre son pack pour le faire, même si je m'en ferai un à l'occasion, même si ce sera pas si différent que celui-ci. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire, donc ça va être très 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 court, mais je vais faire en sorte de me dépêcher étant donné que j'ai pas forcément le temps, et puis forcément il n'y a pas énormément de choses à voir, surtout que moi niveau aménagement intérieur c'est pas encore ça. Donc on arrive avec la petite passerelle par ici, donc là sur la plage il me semble, faudrait que je redemande. Donc petite, alors c'est pas une piscine, c'est plus une source, petite fontaine, etc. Donc il se nomme, alors attendez, pouf, le Galaxy, voilà. Donc je vous le présenterai aussi la nuit parce que ça rend tellement bien avec les shaders. D'ailleurs j'aurais dû les mettre là maintenant, je reviens. Voilà, c'est mieux. Alors désolé si ça vous éblouit, moi aussi je suis un peu enfin je m'en prends un peu plein la gueule, mais c'est parce que étant donné que j'ai pas un PC super puissant, je ne peux pas faire en sorte de mettre en bonne qualité ou même en ultra tout simplement. Alors du coup avec le low, donc bah quoi, il n'y a pas beaucoup d'ombre, étant du coup avec le quartz et tout qui est déjà très blanc, et ben ça explose à la face, mais enfin bon, ça reste quand même regardable. Donc je disais, enfin j'allais monter, donc voilà. Alors oui, le seul problème avec les shaders, c'est que ça fait pas l'effet vitre bien noir, bien teinté, que quand on n'en met pas, mais bon, c'est pas bien grave. Et alors, donc ici, deux transats avec un parasol, très très simple, hein, je vous ai dit, l'aménagement, c'est pas mon fort. Donc on entre dans une espèce de porte vitrée. Donc au loin, il y a un genre de salon avec la table pour y manger, avec des bibliothèques, enfin, bref, voilà. Là c'est le grand canapé en angle, assez classe, luxueux, etc. Là c'est le poste de commande, donc rien d'exceptionnel. J'ai un peu mis des trucs à l'arrache, un peu n'importe comment. À vrai dire, j'avais pas vraiment d'idée. Là donc on descend enfin donc dans la partie la plus intéressante, je pense. Donc on ira voir ça là-bas après. Donc la chambre la plus grande. Un placard, une espèce de buanderie ici, enfin de pressing, non pas de pressing, enfin là où on met tout ce qui est chemise, enfin les trucs qui se met sur des cintres quoi. Le lit, la salle de bain, douche, toilette, etc. Rien d'exceptionnel. Ici pareil, une chambre, lit avec la salle de bain un peu au loin là-bas, enfin dans le coin. Et donc ici il y a un petit jacuzzi, donc on peut pas faire les bulles hein, mais ça on s'en fout. Et là c'est un bar tout simplement avec la cuisine qui se trouve derrière ici, qui n'est pas non plus super super bien réalisé. Donc voilà, j'ai fait le tour hein. Ah non, il me manque peut-être quelques petits trucs, mais c'est vraiment rien, juste le temps que je sorte. Donc j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire, on a mis 2 jours, et encore en s'y mettant peut-être juste une après-midi, et encore. Donc là le dessus avec tout ce qui est satellite, radar, etc. Ici un petit coin détente. Je devrais peut-être mettre un ou deux parasols, ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Les hublots avec un tout petit peu de boutons histoire de faire des détails. Et voilà, voilà. Oui, juste ici, bien sûr, on peut rejoindre l'arrière, l'avant en étant en longeant le côté, comme sur un vrai yacht. Hein. Donc voilà voilà, j'espère qu'il vous plaît, moi il me plaît énormément, et je vous retrouve la prochaine fois pour un navire militaire. Oh là là, il fait de tout ce garçon. Donc bon, eh bien à plus, j'essaierai de le faire rapidement cette vidéo, et j'espère que vous vous porterez bien, parce que c'est les vacances, hein, il n'y a pas de quoi être triste, voilà. Donc à